Et salut tout le monde, c'est Malorys2 et aujourd'hui on se retrouve sur Shotband Server. Alors ils ont passé en Noël, mais on n'est pas là pour jouer à des mini-jeux, c'était juste pour changer et qu'on se retrouve pas toujours sur XME. Mais cette vidéo a un peu un lien avec XME. On a le double saut encore. Oui. Un peu un lien avec XME quand même. Pour la raison suivante, que nous allons faire le tour des serveurs. Donc Shotband étant un très très gros serveur quand même. Il y a quand même, bon là il y a 3 personnes de co, mais dans les autres jeux, etc. Bon, voilà. Il est assez bien équipé, assez costaud, c'est comme iPixel, c'est comme tous ces serveurs, comme Fantabob Show, les conneries. Enfin, oh putain, par contre, on fait en permanence. Merde, ok. Voilà, donc ça c'est les gros gros serveurs anglais, américains, français, existants. Hop, ouais, je les ai. Ah, oh, c'est sympa ça. Je crois que je peux. Existants sur que la plupart des joueurs connaissent quand même. Voilà, voilà, mais nous, on va s'attarder à faire le tour des serveurs français, qui sont donc sur le cas de serveurminecraft.org, et qui tapent dans la 4-5-6 pages, donc en gros ceux qui sont un peu proches de mon serveur, du moins proches, on va dire que là je suis en train de faire le tour sur le site, il y a plus de 300 et quelques votes, mais faire le tour, je vais prendre des IP au hasard. Et regarder les spawns, ce que je trouve intéressant, ce que je trouve pas intéressant, des idées peut-être à reprendre, du copyright. Mais sans parler de ça, ouais, voir ça, savoir si... Il y a des serveurs, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ils sont hachés et d'autres sont bien mieux. Bon, donc, on va faire le tour. Oh merde. Voilà, allez. La preuve, je me suis fait coller à la toile, donc... je vous laisse. Allez. Salut à tous, dis-moi, c'est pas salut à tous, à tout à l'heure. Alors, déjà, voilà, je rentre sur un serveur, il faut déjà faire un slash register. MMMM, voilà. Hop, mot de passe à la con. Donc déjà, ça, c'est bien et pas bien. Capitaine, je vois pas, bon, on verra les grades. Salut, Malorys2, en ligne 3 personnes, il est... Ok, ok. On a 500 d'argent, 10 de power, 3 en ligne, kill 0. Sympa, le spawn en soi. TP aléatoire, ça, le warp. Le spawn en soi. Donc voilà, je prends des lacets pour le cas, c'est Acasium. Donc il est à la place 36 dans le Minecraft.org. Donc ça aussi, ça JS, ça Vuri, ça peut... On peut cliquer sur ça. Ouais, par exemple, ça, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Portail, ok. Et voilà. J'ai qui Azurul, Nimado et Malorys. Admin Riot, Plouti, Fondasni. C'est tout. Ils ont 3 personnes dans le staff. Bah moi je vais faire pareil, je vais mettre que 3 personnes dans le staff. Ah, vite le faire le tour. Hop, tape d'enchant, ok, sympa. Spawn par contre. Ouais, ils ont dû chercher pour faire les piliers, mais. Un peu plat à mon goût. Remarque, le mien n'est pas bien mieux. Ça sert à rien de mettre des liens les mecs. Alors, voir les spawners, slash spawner, slash vote, slash report, nanana. Slash loop tube, blablabla. Ok. Hop, forum cliquer, tatata, blablabla, toutes les infos là. Ma con, limite de la map en plus, ils sont en limite de map, moi c'est limité, j'ai déjà un plus. Cliquer règle, nanana. Capitaine 300, 500, 500, 500, 500. Nanana. Ok. Moi j'ai quoi comme grade quand j'ai parlé, j'ai pas vu. J'ai pas envie de reparler. Combattant. Ok, on a un petit stuff de départ, ça c'est sympa, c'est mignon.
Et voilà. Donc voilà, ça c'est le spawn. Et ce que je vous disais, hôtel des ventes. Ce que je vous disais, ah, donc mon petit shop, c'est sympa, c'est mignon, ça avec de creep. Voilà, en fait ce qui me gêne dans la plupart des serveurs français, c'est ça. On arrive dans la zone. Ah, par contre, ça a l'air d'être une map bonne délisée. On va faire le tour vite fait. On arrive dans la zone dès qu'on saute. On est. Voilà, en fait, le spawn il s'arrête à là. Il a rien de plus le spawn. Et c'est ce que je disais, donc ça prouve bien ce que je disais juste avant. C'est que les serveurs français sont très. Voilà, vous avez un spawn à la con, et puis après, tout de suite, ok, il y a des grosses teams. Eux, ça doit être genre les gros badass de la team. En tout cas, ils ont fait un joli bouclier, c'est sympa. Du moins du serveur. C'est sympa, c'est mignon. Les aides de creeper. Eux, il doit y avoir du monde hein, sur le serveur quand même. Et là, on est en zone build. Ok. Tu viens P4, tu repars à 4 pattes. Good Sparta. Ah oui, ok. C'est les machins. Donc en fait, on a une map modélisée avant et puis après juste derrière c'est fini, c'est torché, y a plus rien. Voilà, donc c'est le souci des serveurs français, du moins moi personnellement j'ai du mal à m'amuser sur des serveurs comme ça. Pour être franc, c'est vrai que Smokecraft était un serveur où c'était dans ce même type, hein, donc en fait une fois qu'on sortait de la zone, et ben, on pouvait se taper. Sauf que eux derrière ils avaient des warps. Donc là aussi ils en ont, mais ils avaient des warps. Par contre, la bouffe c'est sympa d'avoir donné, ça c'est pas tous les serveurs, comme le mien par exemple, pour le moment ça y est pas. Et ils avaient des warps dans le genre. C'est quoi ça? Mais qui a fait sa base là à la frontière, personnellement. Bref, que je revienne. Ils avaient des warps pour les sorts, ils avaient plein de petits plugins supplémentaires, parce que là franchement, un serveur comme ça dans ce type là. Ça leur a rien coûté de faire ça. Ça. Protection anti-PVP est expirée. On veut passer, on veut passer. Ok, ça marche plus. Avant ça marchait, mais bon. A priori, non. Ah, il y a un trou là. Merci. D'accord. Ok. Bien, bien. Bon, voilà. Voilà, donc on se retrouve pour un autre. On va en faire 3 ou 4 comme ça. Bon, nous revoilà. Donc là, on est tout de suite sur un serveur déjà peut-être un peu plus propre, un peu plus beau, un peu plus réfléchi. Coucou. Ok, coucou, plutôt. Mine Revolution. Alors déjà, le spawn en jette beaucoup plus que l'autre. Pour être franc, bon c'est pas l'apothéose, hein, mais c'est déjà beaucoup plus designé. Ou si ça c'est l'apothéose, par contre ça me plaît. Ouh, ça c'est violent, mais c'est un joueur qui l'a fait. Parce qu'a priori c'est du Fribul. Ah c'est un Fribul en fait. Donc c'est un serveur Fribul. Par contre, le joueur qui a tapé ça, franchement, chapeau. Rien à dire. Et les salles dedans ou c'est vide? Ouais, par contre, c'est vide. Franchement, voilà. Ce qui me plaît dans le Fribul à chaque fois, c'est qu'il y a des. Il y a des mecs qui font des trucs vraiment, vraiment, vraiment puissants. Bon, par contre ceci je peux pas vous dire à quoi ça ressemble alors qu'il y a un arbre. Et il y a des gens qui font vraiment de la merde. Un arbre, une verrière, je sais pas, c'est un peu l'architecture entre contemporains. Bon, je vais pas rester longtemps sur le serveur parce que j'ai pas grand chose à faire et puis ça putain c'est propre ça. C'est propre ça, c'est beau. Ça j'ai jamais compris comment le joueur il faisait ça quoi. J'ai joué à des serveurs Fribul hein, mais. Moi je sais pas, j'ai trop l'habitude de voir des dits et compagnie, j'ai pas envie d'y faire la main. Ok, bon bah voilà,
On a fait le tour de ce serveur, vite fait, hein, parce que c'est un serveur Freebull, ça m'inspire pas, j'ai pas lu dans la description, mais au moins, voilà, déjà, c'est un serveur Freebull, il y a un spawn qui claque, bon, après, gros point négatif, aucune information, on sait rien, on n'a même pas de truc pour savoir ce qu'on peut faire, je sais pas si je peux casser ça, donc ça, non, normalement, non, je peux me give des trucs, oui, a priori, oui, je peux build, non, pas là, voilà, en fait, il manque quand même... Trois quarts des... Bon, je peux pas build dans les régions. Ok, bon allez. Next, à tout, on va en faire 4 au total. Et yep, donc on se retrouve sur PlayRios. Déjà, hop, petite info, serveur, boum, c'est propre, c'est beau. Hello, on dit bonjour s'il y a des gens. Non, je suis tout seul, et là, je suis un peu autiste. A priori, c'est un système de give, je sais pas. Navigateur. D'accord, ça c'est rigolo. Skyblock Fever, j'ai accès à SlashPL. Plugin Rios, un plugin Rios. Donc ça par contre, déjà c'est du gros serveur badass que je connaissais pas. Skyblock Creative Join Kit PVP, PVP Fac Survie. Propulseur. Activer, désactiver. Valorus 2. Particules, gadget. Gadget. Feu d'artifice. Gadget, PVP. Peut pas. On les verra pas. Bête. Je pense qu'il faut les acheter, bat. Ok. Donc ça déjà c'est du très gros serveur, donc là par rapport au mien on est deux pieds sous terre bien enfoncés. Ouh ça c'est stylé. Alors là serveur kit PVP, ok. Après donc a priori cliquez pour rejoindre le skyblock, machin etc. Donc ça c'est sympa, c'est mignon, retour spawn. On va aller voir là-bas. Donc voilà, ça c'est vraiment les serveurs qu'on retrouve du type Hypixel, etc. Après c'est bizarre, il est quand même à 128 votes à peine. 48e place, on a un serveur quand même badass sur serveur Minecraft. Donc peut-être qu'il y a des raisons, hein, ça, hein. PVP Fac 0 connecté, génial. Par contre il est un peu vide hein, le serveur. J'ai pas regardé le nombre de co, hop, à prendre à quoi, feu d'artifice. Boum, wouhou, c'est trop bien. Play, Rios, commande, machin. Youhou. Par contre, ça c'est stylé, ça j'aime bien. Ah, là il y a un dragon. Y a un dragonnet. Pourquoi il y a un dragonnet? Bon, ça c'est du gros hub, hein. C'est du glowhub. Bon, a priori. Oh, tiens, il y a un portail. Oh l'enculé. Il veut pas de moi. S'il te plaît. Voilà, bon, bah ça c'est quand même. Voilà, ça c'est du serveur. Nous, avant qu'on arrive à ce point-là, il faudrait que tous les administrateurs soient co. Même si ça sera un gros kiff. C'est à oublier et à laisser tomber. Donc, très très beau serveur quand même. Je pense que la communauté, par contre, est un peu. Tiens, c'est qui? Iclem. Aïe, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Trop bien. Iclem, c'est un modo. Ah, ça sera peut-être les ennemis. Ouais, c'est des... J'ai un autisme, en fait, c'est des NPC, ça. Bah oui, je suis tout seul, je suis connecté sur ça. Backblade. C'est bien. Les refs, fais voir là. En fait, Iclem, il est tout seul. Ça doit être les ennemis. Ok. Bien, bien, bien. Zzz.
Ok, bon, allez, next pour le petit dernier, pour faire un tour d'un autre serveur, on va le prendre dans la page 6, comme ça on se rapproche de notre serveur qui atteint les 60 et quelques 70 votes. Ouais, il est là. Donc, non, il n'est pas là. On va aller sur Earthcraft. Je crois que c'est un serveur assez costaud quand même. Allez, à toutes. Et hop, nous revoilà. Donc Earthcraft. 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 Ok. Coucou. Je suis tout seul. Pourquoi il pleut? Alors, a priori, faut voir ce qu'on peut voir déjà d'ici. J'ai pas envie de rater des trucs. Un bonhomme. Beaucoup de blanc, a priori. Dans le ciel. Ouh. Ça, c'est cool. J'apprécie pour genre des petits serveurs, des trucs comme ça, j'apprécie beaucoup. Bon, sorry, button. Salle de lecture. Mais non, je veux pas aller à la bibliothèque, maman. Vous avez reçu un livre, nous vous remercions de le lire avant de continuer. Si vous avez plus de questions, allez sur le site. Si vous avez plus de questions, si vous avez plus de questions. Ok, on peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Putain, on peut pas s'asseoir. Ok, c'est un truc sur les JO. Oula, je sais pas, je sais pas. Alors, on était là-bas, on est arrivé là. Si ça, c'est le lobby. Ok. Bienvenue sur le serveur Hordecraft, nous possédons plusieurs serveurs à gameplay varié, actualisé, accéléré, vous êtes actuellement dans le lobby principal. Changer de serveur, chaque serveur dispose de son système de permission, il se sera donc nécessaire de les indiquer et les donner afin de pouvoir jouer tout en tranquillité le système dans sa main. Merci. Pas trop long, c'est parfait. Ne venez ici seulement après avoir lu la salle de téléportation. Salle de téléportation. Ok, on tourne autour, c'est sympa, ça c'est tout, 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 tout. Ça c'est sympa. Après par contre le lobby principal blanc quoi. D'accord. qu'est-ce que tu choisis? Bah je sais pas, j'ai pas le choix. Ok, donc c'est des personnages. Ouais, ça doit être un ange. Oh, la potion, ça c'est good. J'aime, ça c'est les personnages qui tenaient JO et ça c'était le bonhomme qui tenait à son seau d'eau. Rip Autocraft. Vers le Fribul, non merci. Regardez, il y a même des nuages. C'est pas le paradis ici. Il vous plaît, mes panneaux d'annonce? Non. Hashtag connard. Survie. Ah, ok. Ah, j'ai eu froid dans le dos. Oh, il y a un jump. Prochainement. Ah, ok. Un peu comme nous, quoi. Lien utile. Règle principale du serveur. Ah, pourquoi je suis allé là? Genre, c'est le truc que personne va lire, quoi. De salle. On va essayer de survie, hein, tant qu'à faire. Hop, hop, hop. Ah. Ah si. Oh, bien. Bienvenue sur Hordecraft. Afin de rejoindre la communauté, veuillez suivre les tapis rouges. Ah, mais moi, j'aime pas le rouge. Oh, fais voir ça. Bon, déjà, ça, c'est sympathique. Sympatoche. Ok. Oh, ça, c'est cool. J'aime bien. J'apprécie beaucoup. Oh, un bloc commande. J'apprécie beaucoup. Blablabla. Par contre, ça, tu vois, mon petit monsieur, vous êtes actuellement dans le serveur. Nanana. Faut le faire sur plusieurs lignes, en fait, ça évite que ça soit trop dégueulasse. Le niveau de difficulté est en difficile, donc soyez vigilant. Non, pas possible. Bah, tant mieux, c'est bien ça. J'aime un Glaxat. Donc, a priori, si je passe pas là-dessus. Ah ah, je t'ai baisé. Ok, en fait, j'ai rien dit. Un PNJ? Barman. Maintenant c'est Baptiste, putain.
Excusez-moi pour tous ceux qui s'appellent Baptiste, j'aime bien les Baptistes. Barman. OKLM, man. Hop, mais ça. Bon, ça voilà, déjà c'est un serveur qui vaut le détour. Il est sympa. Il est simple quand même. Montagne haute, montagne basse, montagne sable, montagne de bois. Je rigole. Premier étage, règle du serveur. 2 petites secondes, je reviens. Ouais, excusez-moi pour cette petite ellipse. Capitaine. Capitale de Hordecaf à l'extérieur. Ok, je vais au rez-de-chaussée tout de suite. Ah, je l'ai eu. Chop. Donc j'avoue que pour le coup, il est quand même un... Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme panneau? J'avoue que quand même il est pas trop mal, il est pas trop dégueulasse. Un serveur sympa, bah, et pareil, il manque des joueurs, hein, comme sur Ismur. Hein. Je sais pas si le soir il y a plus de joueurs. Peut-être que oui. A priori, il y a des concessions. Peut-être, je sais pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Telle est la question. Ouais, il s'est fait chier au niveau des panneaux, franchement. Bravo, hein, parce que la tonne de panneaux qu'il y a. Donc voilà, sur les serveurs français, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire qu'il y a un peu de tout. J'ai à dire que... Des fois, les joueurs se connectent plus sur des serveurs où il y a le moins de trucs que... Ce que les gens pourraient voir, tout simplement. Ah, ça j'aime bien. Je vais y aller tout de suite. Quoique, on va faire un tour. Ah, j'ai cru que ça marchait pas. Ah, par contre, d'accord. Cool. Par contre, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Il y a eu du monde qui est passé sur le serveur fréquemment, a priori, vu les constructions, passer un temps, etc. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pour la raison que du style un coffre comme ça, moi personnellement, dans la plupart des serveurs, il se fait grief du jour au lendemain, quoi. Ça, c'est pareil, moi, j'en laisse pas une. Ah, il est où, le gars? Come on. Franchement, si je peux niquer leur portail avec le gaz. Bon, voilà. Voilà, c'est un peu tout. Bon, c'est sympa, hein, c'est mignon. Donc, à récapitulatif, on a des serveurs. Hop, je suis en train de sur mon serveur pour avoir mon nom. Donc, merci. Oh oui, je suis chez moi en plus. Je parle en couleur souligné. Je voulais savoir si ça continue de fonctionner. Ah, déjà j'ai du speed, ça c'est cool. C'est mieux. Donc on a des serveurs badass comme on a pu voir, hein, comme on a pu croiser, beaucoup même presque beaucoup plus badass que Shotband serveur. Au niveau du design, au niveau plein de trucs.
On a des serveurs potables et même bien où tu as envie d'y jouer, t'as eu que ce qu'on vient de faire là, le dernier Play Earthcraft et je dirais tel que XME aussi, où du moins personnellement moi j'ai envie de jouer un peu de diversité, on n'est pas obligé de faire que du PVP ou que de la survie, voilà, on n'est pas limité. Et des serveurs orientés vraiment que sur un seul truc, où en fait tu te demandes le plaisir qu'a pris l'administrateur à créer ce type de serveur. Car personnellement, par exemple le serveur seul, Fribule, bon le Fribule c'est bien aller 1 heure, 2 heures. Allez, vous finissez votre map, après vous avez fini, vous barrez du serveur, quoi, vous avez plus rien à faire. Et vous avez laissé une structure magnifique sur un serveur. Alors que vous aurez pu le faire sur votre propre serveur. Donc c'est ça que je trouve un peu dommage. Et des serveurs surtout niveau PVP qui sont faibles. On a fait un tour. Hein. Bon, il y a le shop, c'est cool. Il y avait des panneaux indicatifs, des petites voilà, bienvenue, machin, blablabla. Voilà, on avait des trucs comme ça sympathiques. Mais vous sortez du spawn, ça y est, vous êtes en PVP. Il y a un random TP pour ce coup-là, sur celui-là. Bravo créateur, en tout cas, parce que c'est rare, hein, franchement, le random TP, les gens, ils y pensent pas souvent. Oui, il neige. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Qu'est-ce qu'on avait vu sur ce truc de PVP? Je parlerai beaucoup plus de celui du PVP. Bon, certes, il est... J'ai mon bonnet. Non, j'ai pas mon bonnet encore. Certes, il était pas... Il était moins bien que ce que j'avais fait. Mais parce que à la base, j'avais un serveur PVP et pas multi. Il était axé sur le PVP. Et pour être franc, je m'étais vraiment fait chier à faire un lobby, à faire plein de trucs sympathiques. Et au total, il n'y en a pas besoin, quoi. Pas besoin, les joueurs, vous leur mettez un lobby, vous mettez un spawn, en fait, vous faites du vanilla et ils sont tout contents. Mais bon, chacun aime ce qu'il souhaite, chacun aime ce qu'il veut. Et chacun joue là où il veut. Après, sur le coup, par exemple, sur tous les serveurs que j'ai pris, je préfère largement aller, comme tout le monde, hein, sur les serveurs où bah, il y a du monde pour faire des parties, des trucs comme ça. Ou alors, si je build, bah, évidemment, je suis mon propre serveur, je me fais pas chier à build sur les serveurs des autres. Voilà, donc ça sera la fin de la vidéo sur notre petite vache, sur notre propre serveur. Parce que c'est bien plus intéressant d'être sur notre propre serveur que sur celui des autres. Donc, bah, évidemment, l'IP est dans la description, je vous invite toujours à nous rejoindre. Et je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël. Bien sûr, on va se revoir avant, mais... Moi, je vais vous reparler avant, mais pour ceux que je verrai pas, ou ceux qui regarderont pas mes vidéos, ou ceux qui la regardent que pour Noël. Donc, à l'avance, je vous souhaite un agréable Noël. En fait, il y a des caisses qui ont été cassées. Ok. Un agréable Noël sur le serveur d'XME qui est en train de se métamorphoser petit à petit en ah, par exemple ici il pleut, là je suis encore dans la zone de pluie, mais là hop c'est beau, en petit village de Noël magique et sympathique, très agréable, ça change un peu d'avoir des flocons comme ça sur le serveur quand il pleut, vraiment vraiment très agréable. Allez, salut à tous et salut à toutes, c'était Manu.